Salut tout le monde, c'est Brocorse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de visite d'île sur Animal Crossing. Et je suis de retour sur Termina. Si vous avez regardé les derniers lives de visite que j'avais fait en direct sur la chaîne, vous vous souvenez probablement que j'avais visité l'île de Leslou. Elle n'était pas tout à fait terminée, Leslou l'a terminée et m'a demandé de venir la visiter. Je suis donc là pour visiter son île. On est de retour sur Termina, mesdames et messieurs. Et on va aller voir ce que Leslou nous a préparé, tout simplement. On y va. Alors évidemment, on a une très belle entrée. Hein. Oula, très bien. Bonjour, bonjour toi. Salut. Ok. Ah oui. On a le petit Skull Kids avec la petite fée. C'est censé être le moulin, je suppose, quelque chose comme ça, non? J'imagine. Ok. Oui. Très bien. Ok. Oula! Est-ce que c'est le vendeur de masques? J'espère que non. Oui. Ah ben voilà, comme par hasard. Très jolie la paterne au sol. Hein. C'est très 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 joli. Bonjour monsieur. Et on arrive évidemment... dans la ville, hein. Puisqu'on sort du moulin, c'est la grande place, hein. Ouais. Avec la boîte aux lettres, hein. Les fameuses boîtes aux lettres qu'il y a sur la grande place, le fameux petit chien. Incroyable. La fleur mojo, mesdames et messieurs, incroyable. Tellement de détails. Hein. Ah, le fameux petit coin avec café, hein, qu'on reconnaît bien sûr. Tu sonnes et café sort pour voir son courrier. Ah, et là c'est ouvert, hein. C'est pas comme dans le jeu où c'est fermé pendant 50 ans. On en chie pour aller voir dedans. Allons voir la maison de café et surtout qui est café. Café est-il là? Ah! C'est donc toi café. En vrai ça fonctionne. Alors café t'as un gros cul, hein. Pardon. Mais... oh là oui, non mais il y a... full petit détail. T'as un problème de chaise, j'ai l'impression. Ah là, c'est mieux. Putain, je te voyais glitcher à travers la chaise. T'étais assise par terre. La tête qui passait à travers la chaise. Beaucoup de détails. Regardez le joyau qui est posé là. Tellement de détails. Qu'on retrouve dans le jeu aussi. Incroyable. Un très gros travail de déco qui a été fait là. C'est très joli, hein. Bravo. Bravo. Pelou. Ok. Alors, je t'ai perdu. Je pense que t'es parti par là. Ouais, tu es là. Ok. Ok. Maison à visiter. On est parti. Dans la place à cet endroit-là. Ouais. Je vais essayer de rentrer, j'y arrive pas. Voilà, c'est bon. C'est vraiment évidemment qui tient le truc à jouer, hein, bien sûr. Oh, le coffre lumineux, ça rend trop bien. Incroyable. Bon, je me suis un peu assis dessus, mais ça rend trop bien. La photo de Tom Nook. Ah, il y a Bob aussi, hein. Très bien. Très bien fait, c'est très 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 bien fait. Tellement de pesos derrière. Là. Les fameux coffres à jouer, la fameuse salle. Pas facile à faire parce que la salle est gigantesque en plus, normalement. GG à toi, bravo. J'ai envie de taper dans mes mains. C'est un très joli rendu, félicitations. Ouais, très propre, une fois de plus. Les habitations, les magasins et tout ça. Oh, le fameux bar, on va aller boire un coup. J'ai l'âge en plus, là, de boire du lait. Le fameux lait du ranch long long, bien sûr. Ah, salut. C'est donc toi qui tiens ce bar.
plutôt bien reproduit avec la petite scène. C'est bien vu. Je me suis fait coincer. Au secours, au secours. Non, c'est plutôt bien fait. Franchement, bravo. Même les instruments, tu les as pris de la bonne couleur et tout. Ça a dû tellement te prendre la tête. Le motif de la meumeu sur la citerne et tout. Moi, j'ai pas vu les masques au-dessus. Franchement, GG, bravo. Vachement, vachement, vachement bien fait. Les couleurs aussi au-dessus des instruments. Beaucoup de détails en vrai. Félicitations. Ouais, bravo. Excellent, excellent. Incroyable. Alors, si vous avez déjà fait Majora's Mask, hein, vous devez péter un plombage. Incroyable. Oh, regardez ça. Je le connais, ce blond aux yeux bleus, là. Petite boutique, hein. Ah, c'est, ouais, c'est le coin où il y a les meufs qui dansent, là. Les meufs chelous. Alors, j'ai pas encore la danse, mais je peux faire ça. Et en vrai, je suis pas loin. C'est un mix entre ce que moi je fais et ce que toi tu fais, en vrai. Exactement. Ok. Alors, c'est la ruelle où il y a tous les trucs avec la banque et tout ça. Avec le banquier. Difficile de reproduire cette ruelle et tu t'en es bien sorti, hein. En plus, elle a une forme particulière et tout. GG. Le petit coin avec le voleur, là. Bien sûr. Attention, c'est dangereux de partir seul. Hein. J'espère que t'as un bouclier et une épée. Et ça, c'est la maison de qui? Est-ce que c'est la baraque de la fée? Est-ce que c'est la grotte de la fée? Je sais plus du tout. La grande fée. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Incroyable. Cette déco de ouf que t'as fait, là. Truc de dingue, hein. Une déco de malade. Ouais, avec les effets de particules, là, et tout. Incroyable. C'est dommage qu'on puisse pas, tu sais, les petites textures que t'as mis pour l'effet, tout ça, là, qu'on puisse pas avoir des trucs comme ça, un peu phosphorescents. Ça aurait tellement bien rendu. Mais c'est vachement, vachement bien, bravo. La maison du maire, si je dis pas de bêtises. Avec les petits... Putain, les petits, c'est des nains. Ah, terrible. Avec le code et tout, là. Pour aller à l'observatoire. Ah. Salut. Ah, c'est pas moi. Ok. Avec les masques et tout. Incroyable. Le bureau n'a pas changé. Ouais. Ah, putain, le maire, c'est Bob. Waouh. J'étais pas prêt. Il était déjà très classe, il est toujours très classe, hein, bien sûr. Pépé l'épée. Hop. Ouais, c'est un endroit où on trouve sa femme. Très propre. C'était comme ça déjà aussi ici avant, non? T'as rajouté des trucs? La lumière peut-être tu l'as changée, non? Hmm. Ok. Petite musique détente. On se détend ici. Bien sûr. Détendons-nous. On est bien.
Je t'ai vu passer à travers le canapé là. J'étais pas prêt. Mais c'est d'accord. L'observatoire? Non. La pièce pour le plaisir? Le combat final. Le combat final. D'accord. D'accord. Ok. Mais trop dur. Ben oui, compliqué un peu. Ok, l'étage. Ah! La tenue du facteur. Pas mal du tout. En vrai, franchement, c'est très très bien reproduit. Hein. Tu as bien dû te prendre la tête là aussi. Hein. Franchement, GG. Hein. Le petit arbuste Hello Kitty, je suis pas sûr pour le facteur, mais pourquoi pas. Ouais. Allez, on y va. Ok. Descendons. Où sommes-nous? Ah, le bazar, mais ouais. En vrai, c'est super bien fait, ça aussi. Hein. Incroyable. Putain, ça m'a foutu des tonnes. T'as réussi à mettre tout ce que t'avais là. Incroyable. Bravo. Ah. Oh putain, les chiottes. Incroyable. Avec la fameuse main. Où tu peux lui donner la lettre d'amour. Incroyable. Bravo. Bravo. Très très fort. Félicitations. Ouais, vas-y. Hop là. Le fameux labo. Allez, on va rentrer hein, à un moment. Merci. Compliqué, mais on a réussi. Merci beaucoup. Oh, le thérémine qui fait un bruit terrible. Ok, le fameux épouvantail. Hein. Et le laboratoire en lui-même. Est-ce qu'il y a un truc spécial avec ce vase? Ça ressemble pas au jeu, mais... Tu parles du laboratoire ou tu parles du vase? Il est vide, le laboratoire, dans le jeu. Ouais, il n'y a pas grand-chose dans le labo, je suis assez d'accord. Alors, je sais pas qui a éteint cette lumière, mais voilà, c'est pas moi. Allez, on va sortir, vite, vite. Elle a rien vu, elle a rien vu. Ça m'éclate ce truc là. Le bruit que ça fait. Ok. Qu'as-tu d'autre à me montrer sur ton île? Des trucs. Oui. Eh bien, montre-moi des trucs.
C'est pour ça? J'espère que non. Si. Ah. Oh là, ça sent les mojos ici. On va vers le marais. Ah, la sorcière. La cabane de la sorcière, bien sûr. Excellent. Très bien fait. Bravo. Oui. Je la remets aussi un petit peu. C'est en train de coller au fond. Louer les espèces de petites barques qui nous permettent de nous balader dans le marais. Je vais rentrer. Un jour, je vais tellement rentrer dans cette baraque, ça va être un truc de malade. Sûr. Ok. Pardon, monsieur, excusez-moi. Bon, ben, je vais rester là, finalement. Ok. L'appareil photo, effectivement, puisque... On doit prendre des photos dans le marais. C'est très bien reproduit. La musique est très bien choisie, aussi. L'ambiance est parfaite. Bravo. Très propre. Ok. Ça, c'est quoi exactement ? Ouais, mais c'est quoi exactement? Je me souviens plus. C'est les statues pour sauvegarder? C'est ça? L'endroit où tu joues? Ouais, ben je me souviens plus. Voilà. Moi je joue dans ma maison. Les statues, oui. Ok, ok, ok. C'est pour voir le passage dans le marais, c'est ça? Tu joues pour le temple. Oui, oui, ok, ok. Allez, ramène-toi. Ouh. Ouais, ouais, ouais. Mais... Alors... Là, je dois bien t'avouer que je ne sais pas où on est. C'est chez les pestes mojo, ça? Oui, d'accord, ok. Non mais ça manque de danse là, ça manque d'une musique entraînante. Le mec casse-couille. Ben oui. T'aurais dû mettre une bonne musique qui pue là. Ah oui, voilà, alors effectivement, l'autre il est prisonnier. Le petit singe, qui est un ours maintenant, mais voilà. C'est ok. Ok. Ensuite, nous avons quoi? Donc on est où là déjà? Wait. Ah oui, le ranch, bien sûr. Ok. C'est la sœur de Malone, ça? C'est la sœur de Malone ou c'est Malone? Au secours. D'accord. Bravo. J'aime beaucoup ce que vous faites, hein. C'est Epona. D'accord. Alors, pas évident à reproduire, mais en vrai, tu l'as bien fait. T'as mixé, en fait, la grange qui est à côté de chez elle et leur maison pour donner un seul bâtiment, et c'est pas évident à faire. Mais t'as réussi. GG à toi. Bravo. Toulou. Le ranch long long, ok. Oui, nice, j'avoue.
Là, on est où? Un endroit improvisé, ok. Ok, direction chez les Gorons, putain c'est bien reproduit ça. Parce que là, on est chez les forgerons, probablement. On va voir ça. Ouais, forgerons, c'est ça. Oui. Ok. Non, c'est très très bien reproduit, une fois de plus. Hein. Ouais, c'est vachement bien. Bravo. Bravo. Elle a grave bien bossé. Hein. Ok. On voit la Tingle, il lui manque toujours le bas du corps et la tête, mais il est là. Le fameux passage pour aller chez les Gorons. Hein. Toi-même, tu sais. Nous avons donc cette maison ici. Ok, avec un Bob hein, qui se tape la zone. Bob, j'ai vu ton intérieur, frérot. Voilà. Ouais. Ça sent quand même un peu le Bob, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, nice. Donc lui, c'est... C'est le chef des Gorons? C'est donc ça? C'est un Goron shiny? Très bien, c'est donc un Goron shiny. Ah ben pourquoi pas? C'est que des Gorons comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est d'accord. Ok. Pourquoi t'as mis des blocs à jouer? Qu'est-ce que j'ai pas suivi? C'est quoi la ref? Pourquoi des blocs à jouer? Des blocs de bois de toutes les couleurs là, pourquoi? Il y a une raison? Car il y en a un. Vraiment? D'accord. Ok. On verra ça. Ensuite. J'y vais. Qui est là? Ah! Dis donc, chez les Gorons, hein? ok? D'accord. La vache, cette déco. Non, 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 c'est pas ce que je voulais! Au secours! Il y a une caméra et tout. J'ai envie de péter les plombs. Allez, laisse-moi sortir, au secours. Très bien. Très bien. Moi qui pensais que t'allais prendre Bob pour en faire un Goron, parce que voilà. Ouais, voilà, allez. J'ai vu la fameuse grotte, les tonneaux explosifs et tout, là. L'instrument de musique à gauche. C'est nice, c'est propre. Ouais. C'est propre aussi. Ça va être le temple. Ok, ok. Je crois que c'était déjà comme ça, ça. Je crois que ça n'a pas changé. Il y a que Bob en plus, là. Et on voit que t'as passé beaucoup de temps hein, sur la maison de Bob. Ça a bossé. Hein. Ça a travaillé très très dur. Hein.
Ok. Faut faire du jump là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Le haut, c'est la tombe. Ah oui, là-bas. Ok. Attends, mais bouge-toi, je vois pas. Ok, ok, ok. Tu peux aller voir si tu veux. Bah, je sais pas. Est-ce que j'y suis pas déjà allé? Ouais, ouais, ça me parle, effectivement. Mais c'est très bien fait. Avec la source. La source d'eau chaude. Bien sûr. Salut Epona. Ok. Ensuite. Les auras. Donc je me rappelle de ça. La tombe de l'autre petit gars avec sa guitare à côté et tout. Oui. Le coin du concert. Que t'as réussi à reproduire et c'est pas évident. Mais bravo. Ah putain, mais t'as même foutu les trucs là derrière et tout ça là, pour que ça colle. Bravo. Plutôt propre. Félicitations. Le coin avec les pots qu'il faut péter aussi. Là. Bien du tout prendre la tête. Ah! Qui veut des œufs? Est-ce que le turbo qui est au fond là, c'est censé être le requin qu'il y a dans le laboratoire du vieux là? Qui est derrière la grille? Est-ce que c'est ça? Au secours? Non, juste l'aquarium. D'accord! Ouf, ah oui. D'accord. C'est vrai qu'il a des yeux, il a pas l'air content lui en vrai. Avec les masques et tout. Ah, oh, t'as dû te prendre la tête. Hein. Toile d'araignée de partout. Ça couine, ça grince. C'est très bien fait. Ouais. C'est très 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 bien fait. Hein. Bravo. Très joli, une fois de plus. Oui, alors je danserai peut-être pas, mais c'est pas mal. Je dois bien le dire. Bravo. Propre. Perfecto. C'est la forteresse des Gerudo. Incroyable. Je me rappelle de ça aussi, effectivement. Ça a été déjà... C'était déjà bien fait, ça l'est toujours. Hein. Bon, par contre, là, je t'ai perdu, je ne sais pas où tu es. C'était sympa. Des bisous. Ah, tu es là. Ok. À votre avis, elle est partie où? On fait au hasard? Elle est là, ok. Pum, pum, pum.
Ouais, là, c'est la vallée d'Icana, un truc comme ça, non? Ah, le cimetière. Ok. Ah, oh, sympa, lui, là. Bonjour, monsieur, hein. C'est quoi ça avec l'herbe comme ça? Improvisé, ok. C'était improvisé. Bah c'est plutôt sympa. Ça donne de la matière. Le retour de la perche, bien sûr. Alors ça, c'est quand on arrive en haut de la vallée d'Icana. Oui, tout à fait. Squelettes et zombies sont nos amis. Choisissez bien votre ami. Bien sûr. Thème de Splatoon. Ah! Bah c'est lui, bien sûr. C'est un bon choix, en vrai. Avec le masque qui correspond et tout. Non, en vrai, c'est très bien fait. Et c'est très bien choisi. Je tape dans mes mains. Bravo. Bravo! Très bien. Notre cher Ramsès. Ok. Ok. Comment on peut descendre? Non, on peut pas, si. Ah, ici, c'est le château. Oh bah oui, le château d'Icana. C'est le château d'Icana? Oui. Ok. Ok. Voilà. Là, on a fait le tour de ton île? Oui. Très bien. Bah écoute, t'as incroyablement bossé. C'est un truc de malade, tout ce que t'as fait. Alors je sais que tu vas me dire oui, mais non et tout, parce que je te connais, mais en vrai c'est assez ouf ce que t'as fait, et même les coins improvisés, en vrai je voudrais limite les voir quoi, dans le jeu. C'est ça qui est ouf, c'est que t'as fait de très 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 bons coins. Et ceux qui connaissent bien Majora ont dû en prendre plein les yeux, parce que c'est facilement reconnaissable en plus, et même moi, qui connais pas, tu vois, qui n'arrive pas à retenir facilement les trucs et tout ça, j'ai reconnu les différents coins, plus ou moins. Donc GG, félicitations. Par vous. Alors, comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, il y a eu des moments où il y a eu un petit peu de montage. Vous nous avez vu arriver vers des maisons qui étaient fermées. Et pour que l'esprit puisse me montrer les intérieurs des maisons, on a fait ça en plusieurs fois. Donc, merci pour le temps que tu auras passé, l'esprit. Merci infiniment, parce que ben, ça a été long. C'est un petit peu embêtant pour toi et tout. Et je suis sûr que ça va avoir full intéressé les gens. Félicitations, t'as fait une déco de ouf, une fois de plus. Bravo à toi. On va se caler là, effectivement, pour terminer. Mesdames et messieurs, c'était l'île Termina de Lesloo. Encore un gros GG à toi et bravo pour ce projet de ouf. T'as grave, grave, grave bien bossé. Tu peux être fier de toi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, mesdames et messieurs. Dites-le en lâchant un petit like, dites-le en lâchant un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Encore un grand merci à Lesloo. On se retrouve très bientôt pour une visite onirique sur la chaîne. C'était Brocorse, je vous dis à plus.